Bonsoir tout le monde et bienvenue sur channel Blady Info Sport pour une autre vidéo. Dans la vidéo ça, nous allons pour nous parler de toute actualité qui a dominé football. Ou même qui peut vous abonner avec le channel YouTube Blady Info Sport, nous invitons à vous abonner ensemble avec le channel ça, pèsez petite cloche notification, une façon pour pas jamais rater une vidéo. Dimanche qui était 2 avril 2023, dirigeant équipe Chelsea a décidé pour séparer avec Graham Potter. Mais une décision qui choquait vestiaire équipe Chelsea d'après un pile journal dans le pays Angleterre. Le 30 mai 2022, consortium qui a dirigé par Todd Boehlian a officiellement acheté équipe Chelsea pour un montant de 4,97 milliards d'euros. Homme d'affaires américain et toute équipe li te vle bâti une équipe compétitive yon façon pour capable lutter avec une gros équipe qui est en Angleterre, à savoir Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal et pourquoi pas équipe Tottenham na aussi. Mais pour raison ça, yon te compté pour te réaliser un gros mercato avec Thomas Tuchel qui était dans cette équipe là à l'époque. Mais Allemand qui d'après remercier dans début septembre dernier. Il était remplacé par Graham Potter, lui-même qui a entraîné l'équipe Brighton pour être capable de venir mener un nouveau projet équipe Chelsea. Mais finalement, technicien anglais lui-même, il était tenté toute bagaille. Mais malheureusement, il n'est pas capable de relancer la machine anglaise. Faut nous dire, après 31 rencontres, toute compétition est confondue sous bas équipe Chelsea. Graham Potter, c'est 12 victoires, 8 matchs nuls et 11 défaites. Faut nous dire, eh bien, dernière défaite, c'était face à l'équipe Aston Villa, 2-0 à domicile. Eh bien, c'est ça lui-même qui t'a pas renversé la situation. Chelsea lui-même qui tout a annoncé que Graham Potter, eh bien, lui quitte le club blanc et Graham Potter lui-même lui était accepté pour collaborer avec le club blanc pour être capable de faciliter la transition ça en douceur. Alors que pour le moment, c'est non Julian Nagelsmann lui-même qui libre, qui paraît comme grand favori pour remplacer vraiment Graham Potter dans l'équipe Chelsea. Mais actuellement, c'est Bruno Salto qui a assuré intérim jusqu'à ce que le nouveau coach reprenne cette équipe Chelsea. Mais d'après information qui dévoile par journal Telegraph, jeudi lundi en matin, eh bien, média britannique l'a expliqué que joueur Chelsea était vraiment étonné. Après que Chelsea lui-même t'a décidé pour séparer avec Graham Potter, je veux qu'on ait joueur vraiment inquiet. Yo pas attendre que Chelsea lui-même d'avoir pris la décision ça, yo t'a prétendre que yo termine la saison avec Graham Potter. Toujours d'après journal là, il fait qu'on ait plusieurs joueurs d'ailleurs contacté agent yo de façon capable renseigner sur situation équipe Chelsea a traversé actuellement. Voilà donc un nouveau coup dit pour vestiaire équipe Chelsea. Qui était déjà vraiment étonné après le départ Thomas Tuchel pour début de saison. Et finalement, c'est Graham Potter, encore une fois, qui révoqué pratiquement la deuxième partie de saison. C'est un gros coup dit pour moral et joueur Sayo qui va être capable vraiment de gagner pile travail qui pour faire dans la première ligue à appliquer. Chelsea lui-même dans le classement, lit 11e. Pendant que les pour jouer de finale la Ligue des Champions face à l'équipe Real Madrid. Une grosse révélation faite par un dimanche qui était 2 avril 2023, ça qui bat un gros indice sur prochaine destination, la Pulga, qui c'est Lionel Andrés Messi. Selon Radio Espagnol, Société Technogym, qui c'est leader mondial dans la cause appareil de gymnastique à domicile, eh bien, il te recevra une facture de 100 000 euros dans nom Lionel Andrés Messi. Ça qui pourra le faire état d'une installation pour une salle de gymnastique dans une maison privée à Casteldefels, côté que Lionel Messi lui-même dit à vivre en Catalogne. Une nouvelle qui est capable d'enflammer vraiment supporter l'équipe FC Barcelone. Cependant, d'après dernière information journal et sport, il fait connaître Lionel Messi, il pas voulu précipiter et bien sous avenir avant qu'il prenne une décision. Il était très attentif sur ce projet sportif Paris Saint-Germain. Malgré Lionel Messi lui-même, il va gagner 36 ans très bientôt. Et bien, attaquant argentin, il voulait connait comment avenir entre l'équipe Paris Saint-Germain, les poiliers sous bord. On a parlé de Christophe Galtier.
et s'il t'a quitté équipe là, eh bien qui est-ce qui va être capable de venir remplacer lui? En plus, Lionel Messi est arrivé connait à venir Neymar Junior qui ses amis proches lui dans vestiaire équipe Paris Saint-Germain et aussi de Kylian Mbappé. Lionel Messi voulait connaître qui rôle capitaine Mbappé avec club et parisien l'année prochaine s'il prolonge. Toujours actualité avec dossier Lionel Andrés Messi, gain El Chiringuito avec Joseph Pedrerol. Il fait connaître que perspective pour ta gain offre saoudienne qui est supérieure à ça que Cristiano Ronaldo t'a accepté dans le pays Arabie Saoudite là, capable de faire Lionel Messi vraiment sourire. D'après le journal espagnol là, contrairement à ça qui a dit, saison ça, yon retraite dorée dans le pays Arabie Saoudite capable de séduire Lionel Messi en pile. Média ajouté que yon retour en de équipe FC Barcelone capable vraiment difficile pour des raisons et financières, surtout pour avenir Lionel Messi en de équipe FC Barcelone. Et vous faites connaître tout, gain possibilité pour Lionel Messi lui-même li rete à Paris dans Paris Saint-Germain ou bien filer dans MLS nan côté que Inter Miami de David Beckham a obtenu bras ouverts. Nous parlons de quelques statistiques de Vinicius Junior et Karim Benzema. Des statistiques qui vraiment assez révélatrices. Sous 43 passes décisives que Vinicius Junior a délivré à Madrid, eh bien 22 c'est à destination de Karim Benzema. 22 sur 43, eh bien c'est pour Benzema qu'il fait. Yo. Eh bien, c'est meilleur partenaire vraiment Vinicius Junior sous terrain. N'a pas les deux Karim et Benzema. Faut nous dire Benzema lui-même, les vins vraiment impliqués dans le rôle des finisseurs là. Eh bien, chiffre, yo pas menti nous pour exercice 2022-2023. Eh bien, il a déjà totalisé 19 réalisations. À appliquer saison dernière, c'était 22 réalisations pour Vinicius Junior et encore était 11 journées dans la Liga, potentiellement était l'autre match dans la Ligue des Champions et dans la Coupe du Roi. Benzema bon côté parle, il prend deuxième place dans le classement dans buteur et Liga. D'ailleurs, Robert Lewandowski n'a pas que Benzema, il y a 14 goals et pour Robert Lewandowski, lui-même c'est avec 17 goals. Eh bien, duo Vinicius Junior et Benzema, il vraiment a créé du feu pour deuxième partie saison dans le championnat d'Espagne. Florentino Pérez voyait un message très fort avec Karim Benzema. Faut que nous dit après belle victoire équipe Real Madrid dans Santiago Bernabéu face à équipe Real Valladolid dans 6 goals à 0 côté Karim et Benzema li inscrit un triplé dans 7 minutes et bien d'après journal Defensa Central Florentino Pérez li te descend et dans vestiaire équipe Real Madrid après belle victoire ça d'après propos qui rapporté par média espagnol Florentino Pérez li voyait un message fort avec attaquant français qui dit Karim Benzema, moi très sérieux, nan niveau ça, avec goal qui ont marqué, nous avons remonté dans la Coupe du Roi mercredi et nous pouvons faire même bagaille là. A rappeler que mercredi, Real Madrid pour affronter FC Barcelone dans le Cagnon pour match retour, demi-finale et Coupe du Roi. A rappeler que à l'aller et mes Catalans ont été imposés un goal à 0 face à l'équipe Real Madrid. Cause entraîneur qui a prévoqué saison ça vraiment en pile. Si en Angleterre vraiment en pile coach a perdu job, yo, mais en Espagne aussi, jeudi lundi, il y a deux entraîneurs qui déjà révoqué. Faut nous dit vraiment en Espagne gagné vraiment après belle victoire équipe Real Madrid 6 goals à 0 face à équipe Real Valladolid là et bien coach Valladolid là finalement il a révoqué monsieur n'a pas les de José Rojo lui-même qui pas en tête équipe Real Valladolid là en tant que coach après lourde défaite 6 goals à 0 face à équipe Real Madrid là. Faut nous dit gain espagnol de Barcelone lui-même qui officialise aussi révocation coach principal lien qui c'est Diego Martinez technicien espagnol qui est arrivé dans le club l'été dernier et bien il fait 9 victoires, 9 matchs nuls et 13 défaites pour 31 matchs il joué avec équipe espagnole de Barcelone. Faut nous dit que le club gagne une mauvaise série, c'est 4 défaites de rang et bien au même qui pointé dans 17e place là dans Liga et Santander
après défaite face à l'équipe Girona 2-1 samedi ça. D'après la Cadena Sel, yo fait konnen gen l'autre nom entraîneur qui paraît comme favori pour ta venir remplacer Carlo Ancelotti si toutefois Real Madrid t'a séparé avec Carleto. Si nous connaît gen nom Pochettino qui a cité, gen nom Raúl qui a cité tout, gen nom Xabi Alonso qui a cité sans oublier le double Z qui c'est Zinedine Zidane, mais journal la Cadena Sel li vini avec yon l'autre nom qui parlote que yon nom qui était déjà reconnaître dans la cour déjà. N'a parlé de José Mourinho. Non monsieur cité encore une fois, il capable venir remplacer Carlo Ancelotti d'après la Cadena Sel.